Les pronostics, c'est vrai qu'il y a des matchs. Lorsqu'on est joueur de haut niveau, en fait, ça dépend plus de sa propre forme que du tableau que l'on a. Donc, à moins qu'il y ait un écart exceptionnel entre deux joueurs, là, ce sont des joueurs qui sont tous à peu près au même niveau. Il va y avoir, moi, je retiens surtout deux duels franco-français et générationnels, donc avec Maillot Simon. Maillot qui vient de gagner en Australie les juniors, et puis Gilles qui est un joueur étalon sur le circuit, très très dur à battre, donc voilà, ça va être un test intéressant. Et puis Barère qui vient de faire de très très bons résultats, qui va jouer Benoît qui est un tout petit peu là, dans le creux de la vague et qui a fait deux mauvais résultats à la suite, mais bon, il est chez lui, il n'est pas très très loin puisqu'il est d'Avignon. Match intéressant. Ensuite, le tableau nous le dira, on a vu, encore une fois, je reviens sur Rotterdam avec des surprises des premiers tours et des deuxièmes tours. C'est vrai qu'un joueur, lorsqu'il est numéro 3, 4, 5, 6, 7 mondial, ben, il est plus fort vers la fin. Ou un joueur comme Marine est plus fort lorsqu'il arrive vers la fin. Et les premiers tours sont toujours des tours pièges. Merci.